18h20. Et regardez bien, on va voir une bulle d'hydrogène se faire là. Ça veut dire que le bidon de 4 litres est plein. Plein d'hydrogène. Et voilà. Ça, c'est l'hydrogène qui vient de se dégager parce que le bidon y est plein et ça renverse. Si on remarque le niveau de l'eau, on allume notre système. On allume notre hydrogène. Oh, la petite aiguille a l'air bouchée un petit peu. Jusqu'à là, mon aiguille, on va déboucher ça un peu, là, parce que là, c'est plate, ça, que ça donne ça. Ah, si, mon aiguille à fond. Bon, en tout cas, ok, on va prendre ça comme ça vient, si tu veux, je te dis. Ça écœure. L'aiguille est sale. Bon, et voilà. Là, il est dégagé. On a une très, très, très belle forme. On a 3 litres, au moins 3 litres et demi d'hydrogène là-dedans. Hein. L'expérience, ça ne déroule pas trop comme on veut. Et voilà. On vient de vider 3 litres d'hydrogène dans le dernier. Et voilà, on voit un petit son bizarre. Comme d'habitude. Ah, c'est moins pire que d'habitude. On a une belle petite flamme pareille. C'est qui est produit en direct. Belle petite flamme d'hydrogène produit en direct. On n'a plus de pression parce que les 3-4 litres d'hydrogène sont déjà écoulés. Bye! Ok! Fait qu'on avait un petit peu d'oxygène dans l'eau. Ça, c'est pas pire! C'est calé, ce morceau, il a pété en deux. Bon, bon, bon. Oh, le l'autre morceau de bois, là. Ça l'a pété, mais pas à peu près. Bon, ben, c'est bon à savoir, hein. Fait que, bien qu'on fasse ça avec une quantité de 2-3 litres, là, ça va le péter. C'est trop drôle. Ha ha ha!